Salut tout le monde, c'est Demon Slash. On se retrouve aujourd'hui tout simplement sur UEBS. Et pourquoi je suis déjà en jeu? Tout simplement parce qu'en fait, juste avant, j'ai fait une vidéo. Mais cette fameuse vidéo, j'ai dû l'arrêter. Donc je la recommence ici en plein truc. Donc le commencement du combat n'a pas commencé. Donc il y a eu des grosses nouveautés. Voilà, il y a eu des grosses nouveautés. J'ai mis toutes les nouveautés possibles du jeu. Il y en a eu 8. Et les 8 du coup sont en match. Donc il y a les Match Walker, comme vous pouvez voir en haut, la team 1 en haut à gauche, et du coup 246 sur 250, parce qu'il y en a qui sont morts en fait. C'est peut-être ceux-là. En fait je pense que les Match Walker, c'est peut-être ceux-là. Et vu qu'ils sont spawnés dans le bâtiment, il doit y avoir une partie qui sont morts. Alors du coup c'est des espèces de robots qui doivent sûrement tirer des missiles, je sais pas trop. Ils doivent être assez forts, je pense. On peut voir qu'il y a des militaires, enfin c'est pas assez bizarre. Ensuite il y a les Eleven, donc là il y en a qu'un qui a toujours des freezes, hein, dans le jeu, vous savez, hein, c'est toujours un jeu en accès anticipé. Donc là nous sommes sur la map Modern City, donc une nouvelle map qui est sortie, que je n'avais pas testé, et franchement elle est vachement cool. Donc là nous avons le je crois que c'est le Soul Tyrant, lui c'est d'être le Soul Tyrant je pense. Voilà, le Soul Tyrant qui est une espèce de tête de squelette, en fait c'est un masque, il est vachement beau je trouve. Et une épée enflammée qui est très 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 forte. Bon après ça va, le jeu est plutôt fluide là je trouve. La map est plutôt fluide. Donc nous avons ici une archère qui est toute seule. Donc c'est des héros. En fait ceux qui sont tout seuls c'est des héros. Voilà, c'est des nouveaux héros, il y en a eu 3 nouveaux. Ensuite de Chuck Norris et du Golden Knight, il y en a eu 3 nouveaux. Donc celui-là, le laser knight, le soutirant et bien entendu l'Eleven Entress. Donc c'est la Eleven Entress, hein, la fille là, l'espèce de d'archer bizarre là. Après il y a qui est tout petit là-bas qu'on voit avec un, vous êtes impressionné, vous allez être impressionné. Donc c'est, bon, d'abord on va aller là parce que c'est mieux. Donc là c'est les zombies, non là c'est les German US. Donc en fait ils ont les German soldiers, pas US soldiers, ils ont ajouté des Allemands quoi, dans les Allemands tireurs sur le jeu. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Un Jedi. C'est lui le Laser Knight. En fait, c'est le chevalier laser. Donc, chevalier Jedi. C'est un Jedi. Voilà, tout simplement, c'est un Jedi. Donc, est-ce qu'il sera fort face aux ennemis? Je sais pas. En tout cas, ils sont tous un contre l'autre. Ici, c'est les zombies coureurs. Donc, ça s'appelle les runners zombies. Donc, a priori, ça court très vite par rapport à un zombie basique qui sont très lents. Donc, on va voir ça après. Nous avons les géants cyclopes qui sont ici, qui sont un peu chelous parce que je pensais que je crois qu'ils auraient une arme, genre une massue, un truc, mais non en fait ils sont vraiment en fait ils sont costauds mais ils vont genre démonter tout le monde comme ça en fait. Vous voyez ils sont assez moches, mais ils ont l'air d'être puissants, ils ont l'air je dis bien. Donc là il nous manque plus que les Skeleton Warrior. Alors ça, à moins que c'est ça les Skeleton Warrior. Parce que du coup, alors les Match Walker, je sais pas ce que c'est. Parce qu'il y en a 246 et ils auraient spawné dans quelque chose. Moi, a priori, je dirais que c'est ça parce qu'on voit qu'il y a une espèce de tube ici aussi. Et il en manque. On voit qu'il en manque, regardez. Bah, au moins qu'ils étaient décalés, mais je crois qu'il en manque. Je sais pas. Clairement, je sais pas. Il y a une unité que je trouve pas. On verra bien après dans les combats. De toute manière, ce qui restera. Écoutez, je vous propose de commencer. Donc la ville, voilà, c'est vraiment une ville qui a été détruite, hein, carrément, qui a été détruite. Donc je vous propose de commencer à aller voir le Jedi, ce que ça vaut. Ou eux peut-être. Ouais, on va voir un petit peu ce qui se passe. Parce qu'on pourra pas voir tout le monde, hein, ça je vous le dis. On a une petite musique d'action, vous entendez? Là on a les. Ouais on a. Oh la vache! Regardez-moi la vitesse des zombies. Ah ouais, c'est des zombies coureurs. Ah ouais, oh d'accord. Ouais, carrément. Alors eux, je pensais pas du tout qu'ils faisaient ça. Jette carrément des boulettes. Mais sauf que les zombies, ils sont bien résistants. Hein. Waouh, c'est pas mal, comme combat. Ah ouais, ils sont badass quand même, les cyclopes. Wow, c'est quoi ça? Ah oui, c'est une partie des zombies coureurs qui sont été là. Qui sont fait dégommer par les Allemands. Super. D'ailleurs, il y avait. Non, il y a une unité. Ok, on verra bien après ce qui se passe.
On va faire le tour, on va voir l'espèce de... Oh, la petite guerrière qui est tout seule. Qui va attaquer je sais pas quoi. Pas grave, on la verra plus tard. Je rêve ou je viens de voir un ovni passer là? Vous avez vu comme moi. On est en plein désert. Et je viens de voir quelque chose de passer assez vite. Il y a possibilité, donc ce serait pas mal qu'ils ajoutaient des aliens, des choses comme ça, vous savez, des... Waouh, c'est quoi qui tire des lasers chelous là? Oh my god! C'est ça le Skeleton Warrior! Les v'là, les unités que je trouvais pas! Il tire sur quoi là? Ah, sur l'archer. Ah ouais, ils ont fait démonter les Skeleton Warrior. Il n'y en avait pas beaucoup. Je crois qu'il n'y en avait qu'un en fait. Attendez. Bah, ils étaient censés en avoir je sais pas combien. Et donc, c'est ceux que je trouvais pas. Je sais donc où est-ce qu'ils sont. Du coup, il y a qui d'autre? Le Jedi, on n'a pas été le voir. On n'a pas vu aussi l'autre. La dernière. Enfin, le dernier sont où en fait? Si on voit de haut des unités qui sont tout seuls, c'est que c'est. Attendez, ils visent quelque chose là qui a aucun rapport avec les. Si si si. Oh my god, ils se prennent en sandwich là. Alors clairement les US et qu'on VS les Cyclopes, c'est. Les Cyclopes sont assez bons parce que je pensais pas qu'ils tiraient en fait. Tout qu'on fait, ils sont vachement forts. Ah, le Jedi est mort je crois en fait. Ah d'accord, en fait le Jedi n'a pas pu commencer à avancer, il est mort avant. Super, donc on refera des tests hein, sur le Jedi aussi. Pour voir un petit peu comment ça se passe. Du 1v1 on fera sur la chaîne. Mais clairement. Oh, il y a des zombies aussi. Ah non, c'est quoi ça? Ah non, c'est des soldiers qui font le contour. D'accord. En gros, ils sont littéralement démontés. Hein. Par contre, je trouve que les balles sont plus précises avec les soldiers que. Je sais pas si vous trouvez la différence, mais que les US, ils sont vraiment. Ils tirent vachement haut. Et vachement vite. Par contre, ils tirent plus vite aussi les soldiers US que les Allemands. Regardez ce que les Allemands ils tirent un coup par coup. Que les. Ouais, ils ont un petit fusil là. Je sais plus comment ça s'appelle celui-là. Ouais, c'est des petits fusils de merde en fait. Les autres ils ont des mitraillettes. Qu'en vrai ils sont plus puissants normalement a priori les. À moins que peut-être ils font plus mal après. Parce que je sais qu'ils font 27 de dégâts les autres. Alors là il y a un gros combat qui va se faire avec ces machines là. Les machines qui restent du coup, les machines qui sont bloquées. Mais vu qu'ils tirent des putains de lasers. Mais écoutez, je pense que. Ça va être le grand combat. Il y a un peu de lag là. On va éviter de se mettre à côté parce que là je crois qu'il. Je sais pas ce qui se passe. Petit combat des familles là. Ouais, y a un gros bordel en fait. Je regardais s'il y avait d'autres unités, mais je crois pas en fait. Je crois qu'ils sont tous crevés. Parce que je voulais voir l'archer, la ce qu'elle valait, mais je pense qu'elle a dû se faire démonter. Hein. Parce que clairement, à moins qu'elle fasse des dégâts de malade. Bon, en tout cas, ils sont pas invincibles. Clairement, elle a fait ennemi qui l'aide, elle a tué un ennemi. Donc voilà, le laser Knight, donc le chevalier de Jedi, il est nul. Et le Soul Tyran, bah, en fait, ils sont peut-être pas nuls, mais je veux dire, ils sont face à eux, ils étaient pas superbes. Les German Soldiers, ils ont tué, il n'y en a plus que 4 et ils ont tué 182 ennemis. C'est pas mal, c'est intéressant. Les géants Cyclopes, ils ont tué 121 et il en reste encore 157. Et les machines, ennemis killés 142 et il y en a encore 246, donc elles sont complètes. Donc clairement, en fait, c'est eux qui... En fait, ils n'arrivent pas à avancer parce qu'il reste encore 3 unités de German Soldiers. Et ils vont tous dessus, les machins. Les seuls qui attaquent, c'est eux. Les Cyclopes qui attaquent, c'est eux là. Vous voyez que les machines, j'ai l'impression qu'elles perdent du sang. Alors là, par contre, c'est pas très normal, je crois. Comment est-ce que ça fait? What? Je suis mort.
Oh, déjà, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on peut pas niquer les autres. Pas niquer les autres, c'est-à-dire qu'on peut pas avancer. Ah oui, regardez, on voit le nombre de dégâts. Donc, ils font combien? Ils font 120 dommages. Ils font pas super en dégâts, je trouve. Ouais, c'est faire, mais on va essayer de prendre un autre qui est un peu plus loin. Ah, j'ai fait du sang de dégâts. Ouais, du sang, ils font du sang. Ils font du sang de dégâts, bon, c'est pas... bon, ça va, ils font à peu près la même... on va dire le même nombre de dégâts chacun, en soi. J'ai pas vu combien ils avaient de vie, par contre. Ils ont 1800 de vie, ceux-là. Ils ont un peu moins de vie, 200 de moins de vie que les géants ogres. Eux, ils ont 1000 vie. Donc, ils ont plus de vie, les cyclopes, que les machines. Mais en tout cas... le nombre de dégâts est à peu près équivalent pour les deux, à peu près, parce que si on compense le nombre de vie par rapport à... Il y a 800 de plus quand même de vie par rapport au machin, sachant que un coup de caillou ça fait 100, ou voire peut-être un peu plus, peut-être. Ça dépend. Donc clairement, ça peut être une bataille sans fin, parce qu'en fait, le souci c'est que, comme vous pouvez voir, en fait ils sont bloqués. Ils sont bloqués ici, et ils sont bloqués là-bas. Ils sont tous les deux bloqués en fait, les ennemis. Donc en fait, ils essaient d'avancer et le temps qu'ils avancent, c'est un peu la merde. Du coup, je sais pas ce qu'ils foutent en fait. Je rêve ou s'attaque entre eux? Ah non, d'accord, ok, j'ai pas pigé ça. Ah ouais, ils ont. What? Ah ouais, clairement, elles ont contourné en fait. En vrai, y a personne là. Ah si, y a un bon paquet, mais. Oui, en effet, bon, il y en a plus, ils sont éliminés, hein, clairement, ils se font. Ils sont prendre de deux côtés. Ils ont été malines pour une fois, les IA. Ils ont pris de deux côtés les ennemis. Là, clairement, c'est fini pour les géants. Les géants cyclopes. Hein. On va le voir, mais ça va être fini pour eux. Impossible qu'il y ait un retour de situation. Un retour de situation, parce que vous regardez bien, les boulettes qu'ils tirent, donc les cailloux, ils les tirent bien plus loin en fait que prévu. Sachant qu'il y a un petit peu des bugs en fait, on peut voir que quand il tire, ça tire au-dessus aussi. Vous voyez, ça fait des dégâts au-dessus et là pareil. C'est un peu bizarre. Ce serait bien que ce soit par la suite stylé, genre les bâtiments ils explosent et tout. Avec la bombe nucléaire, les gros bordels quoi, ce serait marrant. Genre par exemple faire quand il y a le Tiev, le château, là, en plein milieu, lui tirer des catapultes dedans, ça explose. Faire tomber des ennemis comme ça, un peu comme dans le jeu. Je pense que ça viendra par la suite. Franchement, c'est vraiment un jeu qui est vraiment super bien. Puis aussi par la suite, bon après, c'est ça, je pense, je sais pas si ça sera fait ou quoi, changer un peu les personnages, parce que quand je dis personnages, c'est par exemple les machines, les différencier. Par exemple, une, par exemple, rouge, bleu, vert, j'en sais rien, des couleurs différentes, des choses comme ça pour ou les cyclopes, genre il a un œil crevé, l'autre il a des petites différences. Bon, après, c'est sûr que ça sera plus lourd dans le jeu, mais ça serait cool, parce qu'il y aurait des différences, qu'elles sont tous les mêmes. Voilà, bah écoutez, les grands gagnants sont la team 1, la team winner. Voilà, clairement, il y a eu beaucoup de combats, hein. Clairement, on peut voir ça. Il y a eu beaucoup de morts chez tous les autres en fait. Eux, ils ont perdu, allez, ils étaient à 246, ils ont perdu 5 ou 6 unités. Voilà, 7, excusez-moi, 7 unités ils ont perdu, clairement. Les machines et tous les autres sont morts. Voilà, il n'y en a aucun autre qui est vivant, donc ils ont fait tous. Voilà. Donc si vous voyez un truc Skype s'ajouter, c'est pas grave. Vous avez. Pas grave, on s'en fout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, tout simplement, cette petite présentation des nouveaux personnages. On en fera d'autres, bien entendu, sur un test Jedi contre je sais pas quoi. On verra un petit peu, on en mettra un peu plus pour voir un peu le combat. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.